Salut bande de moches, on est donc le 18 mai 2024, il est 10h40 du matin, il fait soleil. Je sais, vous voyez des vêtements, mais moi je vois au-dessus. Et oui, bien. Alors, bon, j'exhibe un peu le matos hein, pour vous exciter, bande de gourmandes. On va parler de la firme Totob France, YouTube France. Alors YouTube, hein, vous savez, on dit toujours Twitter, et on le dit à juste titre. Hein. Oh là là, mais quel bordel depuis qu'il y a le père Musk qui a repris ce truc-là et qui nous a transformé ça en réseau porno où on trouve de l'antisémitisme, du complotisme, du négationnisme, du révisionnisme et des polémiques. En veux-tu, en voilà, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Le Musk est un fauteur de troubles. Bon, c'est bien gentil de taper sur le père Musk, qui est vraiment un sale connard, qui propage de la merde, hein, faut bien le dire. Ouais, je ferme. Ça va, vous êtes bien rincé l'œil hein. N'oubliez pas le Kleenex hein, dans la petite poubelle. Mais il ne faut pas oublier bah, Totob. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur YouTube France, figurez-vous? Bah, on trouve des tas de vidéos avec des tas de vidéastes qui violent petit 1. La totalité des items de la charte des utilisateurs YouTube, c'est-à-dire des faiseurs de contenu. Non seulement ça, mais en plus qui violent bah, toutes les lois de la République. En tout cas, un bon paquet. Alors, je les rappelle, hein, dans le désordre, homophobie, antisémitisme, racisme, promotion de l'islam radicalisé, vente de fausses crypto-monnaies, vente de stages survivalistes sectaires, promotion de mouvements sectaires, promotion de fondations pour faire du blanchiment d'argent. Bon, toutes les arnaques possibles et inimaginables sur des vieilles dames, sur des personnes sans ressources, etc. Promotion du harcèlement en meute, menaces de mort diverses et variées. Je vous rappelle qu'on a eu un certain fichier S qui s'est fait expulser du territoire français qui s'appelait Abdel Zahiri, qui pendant des années a eu open bar sur Totob. Le mec promouvait l'islam radical et l'antisémitisme le plus crasse. Il est resté des années et des années chez lui, chez Totob. A également un Maxime Montaud qui est actuellement en tôle. Alors, dans le viseur, on a l'escroc Jean-Marc Leparnay, alias Jim le veilleur silencieux, qui, hier, nous a invités, c'était ubuesque. Si vous voulez regarder ça, allez sur Odyssée ou sur des lives, ou sur karmatv.io. Francis Lalanne en mode fumeur de pipe. J'en dirai pas plus, j'ai regardé 5 minutes, c'était des morts de rire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, François Radical, hein. François Radical qui nous balance sur sa propre chaîne qu'il adore torturer des animaux. Qui est un violeur, plus un escroc, plus un mec d'extrême droite, soralien. Il a le droit d'être soralien, mais il est un escroc, non. Un mec qui escroque des gens tout en vivant en même temps du RSA, et ce depuis 6-7 ans. Puis dans le même genre, on a son complice Hadjadj, Simon Hadjadj, qui lui est un mec clairement violent contre les femmes. C'est pareil, hein, tout ça c'est en ligne. Qui arnaque avec François Radical, alias François-Denis Bernard, qui habite à Étampes. Et puis on a le petit cousin bordelais, Julien Papineau, qui fait à peu près la même chose. Et tout ça, c'est en ligne. Et les mecs, ils sont là. Ils ne sont même pas inquiétés. C'est bizarre quand même. Non? Je pensais que YouTube France, c'était contre l'antisémitisme, le racisme, blablabla. Mais comment ça se fait alors? Que des mecs comme moi qui dénoncent tout ça se font censurer, parce que c'est le cas, ou un certain Alix, hein, les vidéos d'Alix, hein, mon ami Alix Emmanuel Chaumont, lui, il a été censuré. Pour des conneries. Comment ça se fait que moi, quand je dénonce ces gens-là, j'ai jamais de réponse et qu'ils ne me donnent jamais satisfaction? Que par exemple, un Philippe Kelleral, ce qui est clairement une ordure, un escroc, un type qui est misogyne, qui fait des vidéos, enfin regardez celle sur Mademoiselle Mansouri, là, qu'il a mis en ligne dans les 7 jours. Je veux dire, dans le genre misogyne, il n'y a pas pire. Je pensais qu'il y avait des lois en France pour contre ce genre de choses. Ben, elles ne sont pas respectées sur YouTube, figurez-vous. Ben, faut dire que YouTube, c'est un peu infesté hein, par
ce qui s'appelle l'ultrasionisme d'Israël. Parce qu'on a des agents, figurez-vous, de la DGSI, qui sont en cheville avec des salariés de la firme YouTube France. Je rappelle que fin mai 2023, j'adressais copie maître Alain Jakubowicz, un recommandé, deux plutôt, au président directeur général de la firme YouTube France. Donc ça, c'était plutôt la première quinzaine de mai. Comme je n'ai jamais eu de réponse, on a fait une action aux États-Unis. Bien avancé. Donc en fait, c'est quoi YouTube France? Ça s'appelle la cinquième colonne. C'est l'équivalent de Douguine, mais pour Israël, hein. Enfin pour l'ultra-sionisme israélien. Et le but, c'est de foutre la merde en France, en faisant monter l'antisémitisme en France, en promouvant des gens qui sont dans la bande à Maurice Lelay, comme Hadjadj. Radical Denis Bernard et Papineau, qui sont dans la bande de Boris Lelay, qui font des arnaques, qui remplissent les caisses de Boris Lelay, qui est planqué au Japon. Okay? Si vous faites monter l'antisémitisme, vous faites monter les actes antisémites, vous faites augmenter la peur de la communauté juive française qui dit au secours, monsieur Netanyahou, aidez-nous. Voilà comment on reste au pouvoir. Donc c'est ça, Totob. Okay. Donc évidemment, tout est pipeau. Et vous croyez que M. Macron et son gouvernement se préoccupent de ça? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont sur la même ligne. La vraie ligne. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que Macron, c'est l'extrême droite. J'ai toujours dit, Macron, c'est l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? C'est quelque chose qui est pour le grand capital, ce qui est Macron. Macron, c'est la pute des Rothschild. C'est quelqu'un qui fait de la violence sur le plan sécuritaire intérieur. Ça, on est gâté. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il est pour l'immigration, mais qui, en fait, dans les faits, ne fait rien pour les immigrés. Au contraire. Il en fait venir pour faire baisser les salaires des deux souches, que les deux souches soient basanées ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que des vagues d'immigration incontrôlables, et notamment l'immigration irrégulière, qui est clairement, je veux dire, Darmanin est contre, mais la justice détruit ce que Darmanin fait. Donc en fait, on en arrive à une situation qui est une situation de statu quo. Ok? Et donc, YouTube France, c'est ça. Ça milite là-dedans. C'est de l'extrême droite. Avec l'aval, du Pinocchio que les gens pensent être un centriste, qui est un mec d'extrême droite, soft. Macron étant là pour préparer l'extrême droite, l'autre. Enfin, on enlève la terminologie extrême droite. On va dire la droite de la droite. C'est ça que je veux dire. Ce qu'on appelle la droite populiste. On est d'accord que quand Macron a viré la mère Borne, s'il avait été un politicien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait mis Darmanin. Pourquoi? Puisque Darmanin est clairement présidentiable. Pour démonétiser un présidentiable, il faut faire ce que Mitterrand a fait avec Rocard. Il faut le mettre à Matignon. Gnon-gnon, qu'il se prenne des gnons. Sauf que Chirac l'a pas fait avec Sarkozy, résultat, Sarkozy a été élu, et là Macron ne l'a pas fait avec Darmanin, ce qui donne des chances à Darmanin. Donc Doudou Philippe, je vous ai toujours dit, hein, il ne se présentera jamais, on ne le laissera pas. Il n'est pas assez. Ce mec est un mollusque. C'est Alain Juppé 2 le retour. En revanche, Darmanin, c'est un vrai politique. Et il a dans son jeu une carte maîtresse, Nicolas Sarkozy et ses réseaux. Darmanin, il faut s'y attendre. En 2027, il sera dans le trio de tête. On verra alors. Est-ce qu'il sera numéro 3 ou numéro 2 ou numéro 1? Moi, à mon avis, la seule et unique, c'est pour ça que je le défends pas le bonhomme, mais je préfère sa ligne. Vous voyez, je préfère qu'on se paye un Darmanin qu'une Le Pen. Parce que si on a Le Pen contre Mélenchon, c'est évidemment Le Pen qui gagne. Et donc, Totob, c'est fait pour faire la courte échelle à Marine et à ses idées. Notamment en mettant en avant les idées de Mélenchon, qui font monter Marine, on est d'accord. Hein. Mélenchon, c'est l'épouvantail à moineaux numéro 1 maintenant.
Tant que Mélenchon dit des conneries sur Twitter, bah Marine, c'est bon. Elle a le beau rôle, elle. Donc en fait, YouTube France, qui est une filiale de Google France, bah c'est une boîte d'extrême droite, de droite de la droite, qui est là pour foutre le bordel en France, avec la validation du Pinocchio de l'Élysée. C'est pour ça que je les fais chier. Parce que moi, je dénonce tout ça. Okay? C'est pour ça qu'ils laissent les antisémites, homophobes, promotion de l'islam radicalisé, des crypto-monnaies et des stages sectaires tranquilles. Ça va, c'est dans le scénar. Nos compatriotes, qui sont de gros naïfs, s'imaginent que ceux qui s'appellent dissidents sont vraiment des dissidents, alors qu'en fait, ils font partie du scénar. Ils n'ont jamais pris le moindre risque. Sauf à faire des trucs illégaux et se faire choper, ça on est d'accord. Exemple, Zahiri. Ou Maxime Montaud. Clairement, on fait des trucs illégaux, mais c'est pas les seuls. Dans le panier à salade, moi j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis Tréfin Eli, Jim Leveilleur, François Radical, Réveil Conspi, Julien Papineau. Et au moins ces cinq-là, plus Sevestre, évidemment, mais Sevestre, c'est autre chose. Kellerals, c'est autre chose. Ces deux-là, ils ont un mandat Interpol. Le mandat, il n'est pas tombé sur ma bonne bouille. Hein. C'est qu'il y avait du fond, du dossier, comme on dit. OK. Donc voilà, c'était la si sympathique firme YouTube France. Alors, il y a une chose, moi, qui me rassure, c'est que la jeunesse YouTube France, il s'en branle un peu. Bon, on est d'accord que la jeunesse, dans l'ensemble, ne vote pas. C'est con. Mais non, c'est bien. Parce que ce système étant truqué, pourquoi voter? Moi, j'ai déchiré ma carte d'électeur en octobre 2016. Pourtant, je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la politique et je suis fils d'un homme politique, André Cros, feu André Cros, qui fut, je vous ai fait CV, hein, un des 12 lieutenants de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Campagne de Giscard également en 81, un des quatre mousquetaires de Jacques Baumel en 71, management aux affaires économiques de 1971 à 2007, plus des responsabilités nationales au sein du Parti républicain de François Léotard, après en avoir eu au sein des républicains indépendants pilotés par Valéry Giscard d'Estaing, puis des responsabilités nationales toujours au modem de François Bayrou, plus des rôles sur le plan, au plan des Hauts-de-Seine majeurs. Son père, dans ce qu'on appelle l'UDF, était un acteur majeur des Hauts-de-Seine, pas simplement de Rueil-Malmaison, Garches et Suresnes, il connaissait tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que mon père avait son rond de serviette au conseil départemental des Hauts-de-Seine, même s'il n'était absolument pas sur la ligne de Charles Pasqua. Mais Pasqua était un homme qui s'y faisait de la politique. Donc il acceptait évidemment de déjeuner avec ses compétiteurs camarades de l'UDF, dont mon père, qu'il a connu, plutôt pas mal. De même que mon père a croisé à plusieurs reprises, il n'aimait pas du tout Nicolas Sarkozy. Voilà, voilà, voilà. Bien, écoutez, bon appétit. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.